le fait qu'on va localiser et qu'on va détecter les répliques à l'aide du réseau là qui est en place et puis qui a besoin d'informations bah, en temps réel, ça va permettre de suivre la régularité qui gagne dans le tremblement de terre. À qui ça réseau ça utile? Eh bien, long tremblement de terre passé, au besoin qu'on ait exactement très rapidement qui côté tremblement de terre a passé. Donc, si vous êtes après temps sur réseau international, eh bien, vous allez avoir une information qui est capable pas trop précis. Pour étudier tremblement de terre dans n'importe quel pays, eh bien, il faut avoir des outils qui sont appropriés. Un des outils que vous utilisez, c'est ça, les sismomètres. OK? Donc, pour qu'on ait sous ce tremblement de terre, il faut qu'on ait des appareils locaux qui sont capables de localiser très rapidement. Et puis, il faut que l'appareil soit, j'aime dire, il faut que vous connectiez à Internet pour être capable de recevoir des données en temps réel. Donc, après ça, tout, après un gros tremblement de terre, par exemple, par rapport à ça qui passait le 14 août 2021 dans Niplan, eh bien, vous connaissez un paquet de répliques. Réplique, c'est l'autre petit tremblement de terre qui peut venir. C'est vrai, nous connaissons que réplique ça, normalement, quand c'était à doué diminuer avec le temps. Donc, ça permet qu'on baille des informations à la population locale là, pour dire, pour qui ça, si on sursaut dans quantité de tremblement de terre qui a bien, ou qu'on essaye de calmer tout pour expliquer comment est-ce qu'on pas suivre que tendance là, il y a la baisse, etc. Donc, c'est des informations qui sont très intéressantes qu'on est capable de baille. Mais après ça, tout, donner ça sous réplique, c'est très important parce que vous pouvez permettre d'étudier caractéristiques physiques sous sol là. Or, toute construction que vous pouvez gagner dans le pays, c'est sous sol là que vous avez appuyé. Donc, si vous connaissez plus bien caractéristiques physiques sous sol là, vous êtes capable de plus bien construire la structure que vous pouvez mettre à appuyer sous lien. Donc, c'est très important pour dans n'importe quelle région dans le pays, dans le monde là, gagner des réseaux qui sont en place comme ça, parce que la population qui a vécu, la population qui va faire face avec le danger, ça, pour protéger, il faut que vous jeunes informations. Ça, c'est un modèle de capteur qui est assez cher que nous avons, donc le capteur professionnel, qui est même plus lourd, qui vient avec beaucoup plus d'encombrement, il faut que vous mettez courant sur vous, donc ça veut dire panneaux solaires, batterie, etc. Tandis donc très cher, c'est vous-même que si nous avons installé un côté de façon permanente, c'est vous-même nous utiliser, mais nous n'avons pas assez, nous n'avons pas trop. Donc pour cela, nous sommes obligés de venir avec un modèle ça vous-même, qui c'est des modèles qui sont des RS, des Raspberry Shake. Nous venons ensemble avec lui. Nous, il est mieux facilement pour installer. Donc, on est juste plugé là sur Internet. Et puis, avec plugé dans le courant. Et puis, juste une petite manipulation pour faire pour moi configurer lui. Mais après ça, il est supposé fonctionner normal. Donc, le plus souvent, s'il y a des problèmes avec l'hébergeur là, nous comptons juste en écouter l'hébergeur là pour déconnecter, reconnecter. Et puis ça devrait aller. Si nous regardons en termes de statistiques, après, et depuis après le gros tremblement de terre, il y a un cours qui montrait que la quantité a diminué, donc un gros sursaut qui était fait dans la zone janvier, donc, dans la zone 1er janvier, tout le monde a changé ça. Et puis après, il a commencé à diminuer encore. Il y a des sursauts de temps en temps, mais qui n'est pas trop important. Mais il y a beaucoup plus de quantité qui gagne, c'est des magnitudes inférieures à 3. Donc, ça veut dire qu'il diminue considérablement. Ça, c'est un code qui montre la quantité d'appareils que nous gagnons sur le territoire. Là. Donc, j'aime te dire là, ou après que nous gagnons dans Younamol Saint-Nicolas, donc dans la zone île de la Tortue. Avec Port de Paix, nous pas gagné. Donc, les gens qui sont dans la zone, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour aider nous dans ça. Nous avons quelques capables haïtiens, nous avons des gens qui font nous offre capables haïtiens que nous pouvons installer l'autre. Nous avons des gens qui sont naïfs, mais si nous avons des autres gens qui sont naïfs qui sont intéressés, ça va déranger nous que nous avons deux sites dans la même zone, parce que dans le cas où
t'as tombé en panne, bon, l'autre là lui-même, nous sommes capables d'utiliser deux d'eux. Donc, redondance dans les pas trop déranger nous. Pour l'instant, nous gagnons plus d'une vingtaine de RS qui localisent les cas des Haïtiens, des citoyens haïtiens, que nous relayons des sismo-citoyens, donc pour faire lien entre activité sismique là et citoyens qui prêtent au ajout ça. Son recherche qui est assez bien accueillie, surtout après ton arrêté qui fait dans NIP en 2021. Nous sommes très intéressés, donc pour jusqu'au NIA, nous allons recevoir des demandes. Si vous êtes intéressé, nous avons un site qui est le Haïti Séisme, côté n'importe quel citoyen capable de monter et puis après comment résoudre. Donc si vous avez yon moun ou bien si ou même ou rete dans zone ouais qui pas trop couvri, eh bien n'a bien intéressé collaborer ensemble avec moyennant qu'on capable ban nous offrir nous courant et puis avec internet en continu. Si appareil ça c'est pas des appareils qui consomme trop en énergie ni en bande passante côté internet. Donc c'est en collaboration gagnant-gagnant parce que ou aider nous faire un travail qui est très important, qui c'est permettre la science comprendre qui s'est passé en Haïti côté tremblement de terre.